Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, amis. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Pro Team et c'était difficile de tourner cet épisode. Beaucoup de soucis techniques juste avant de vouloir record. La console qui refusait de s'allumer, le micro qui refusait de fonctionner, épisode du malheur. Voilà, c'est parti en tout cas pour cet épisode avec Nature Gaz. J'ai également écouté, enfin lu vos commentaires concernant les futures recrues. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais reprendre un petit peu ce que vous m'avez dit. Hein. Vous m'avez dit de prendre Conrad, Sepulveda et Bushman. Donc on va faire ça. On va prendre Conrad. J'espère que je le prononce bien. Sepulveda et Bushman. Voilà. Voilà pour cette équipe. Tendam, vous m'avez dit que non. Voilà. Je vous écoute. Je vous écoute bêtement. Voilà. Vous m'avez dit ces trois-là. En grande majorité, Vauclair, Tuns, Schleck pour le Vallon. C'est un peu ce qu'on retrouve en général. On m'a conseillé également pop, 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 pop. Vauclair, hein, il revient assez souvent. Geschke, Machado. On va voir ça. Donc Thomas Vauclair, ça me semble être un bon choix déjà. Dylan Tuns, je crois que c'est Dylan. Hein. C'est un bon coureur. Je pense qu'on va pouvoir le prendre. Moi, j'aime bien Peter Seri. Voilà, je vous le cache pas, j'aime bien Peter Seri. Je le prends, Peter Seri. C'est mon petit choix personnel, mon petit choix du chouchou. Je vais prendre Frank Schleck également pour nos amis luxembourgeois. Voilà. En sprint, mon conseiller. Il est où? Il est où? Il est où? En fait, ceux que m'avaient conseillé, ils ne sont pas là. Ah, c'est que j'ai peut-être pas assez d'argent. Ouais, j'ai pas assez d'argent. Donc, je vais pas prendre. Je prends un sprinter déjà. Offland, mes conseillers. Dumoulin. Adrien Petit également. Donc je vais prendre, je pense, Offland. Pour les sprints. Il a une très bonne accélération. Offland. Il me reste 267 000. On va prendre un petit sprinter pas très cher. On va prendre Pello. En polyvalent, vous m'avez conseillé qui? Helminger. Helminger, ça va être compliqué parce que j'ai peut-être pas assez d'argent. Je prends de Stephen Kung, je pense. Qui a l'air d'être plutôt bon. Soit Stephen Kung, soit. Non, je pense que c'est pas Stéphane. Je sais plus si c'est Stephen Kung. Je crois que c'était Stephen Kung. Je suis pas sûr. Là, je vais prendre le Suisse. Il me reste un petit peu d'argent. On va prendre le petit. On va prendre lui, l'Érythréen. Voilà. Un petit Érythréen. Un petit. Voilà. Un petit gars bien sympathique dans l'équipe. Et on va prendre le petit. Un petit Kazakh. Un petit Kazakh ou un petit Chinois? Un petit Chinois. Et on débute la saison, un petit chinois dans l'équipe, ça mange pas de pain, hein, ça mange du riz. Voilà. Et on lance la première étape, Bastia, enfin Conca, Bastia. On va aller essayer de gratter le sprint avec Offland. Je pense qu'il y a moyen de remporter un sprint. Après, remporter. On s'en fout un petit peu de remporter honnêtement le critérium international. On s'en fout un petit peu parce on a déjà fait une très bonne place. On l'a rapporté. On l'a rapporté, il me semble. Donc on s'en fout un peu. Le but, c'est bien sûr faire top 15 sur le Dauphiné libéré. Voilà. C'est le but. C'est le but de cette équipe-là. Je pense qu'on peut. Hein, je pense qu'on peut. En plus, qu'on rate sur le Tour de France, il sera pas forcément dégueulasse si on est qualifié pour le Tour. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose de pas trop mal. Peut-être à top 20 sur le Tour de France. Je m'avance peut-être un peu beaucoup. Mais on va essayer. On va essayer, vraiment on va essayer. Mesdames et Oh là, messieurs, bonjour. qu'est-ce qui s'est passé? Il y C'est a un une petit étape bug là, c'est un courte, peu mais chelou. sans aucune difficulté qui attend les coureurs On va aujourd'hui. essayer, Les équipes de c'est pas sprinteurs gagné. devraient tout faire Je vous pour contrôler promets la course et rien. provoquer une arrivée en sprinter assez Ah là là, ça fait bizarre quand même comme maillot. Regardez-moi ça. Regardez le maillot jaune qu'on va dire. Jaune poussin, jaune pisse même. C'est bizarre, c'est étrange. C'est pas grave, de toute façon on va simuler, on va se retrouver pour le sprint. Pas se passer grand chose dans l'étape. Les simulations sont extrêmement longues. Pour vous, c'est en un claquement de doigts. Pour moi, c'est assez long. Hein, je ne vous le cache pas. Il se passe jamais grand chose. Tiens, Stephen Kung. Essaie de sortir. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des surprises avec des victoires. Des victoires de mecs qui sont allés au bout. Pourquoi pas? On essaye avec Stephen. Avec Kung. J'aurais été dire Stéphane, parce que c'était pas Stéphane. On rappelle plus. Il y a un gros trou de mémoire sur son prénom. Ne m'en voulez pas. C'est C'est comme ça. agité, nouvelle Voilà. attaque. C'est tout. Pour le moment.
Semblerait que Stéphane Kung se soit fait reprendre. Peut-être Stéphane, je sais pas. En tout cas, Kung se serait fait reprendre. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. On va se diriger vers un sprint massif. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre alternative sur cette étape. Par contre, 48 secondes d'avance pour Sénéchal, ça sent bon, la victoire. 50 secondes, ça sent très très bon la victoire pour Sénéchal. Donc voilà, je pense qu'il va remporter l'étape. Il y a beaucoup de lâcher, je trouve, sur cette étape-là, donc ça y va. C'est vrai que c'est un peu un truc de malade, mine de rien. Donc lui, il est protégé, c'est cool. Par le chinois, par le Shintok qui le protège. On va le faire protéger par Thomas Vauclair, ça m'a l'air d'être une meilleure solution. Allez, 5 km pour Offland. Ça va être complexe hein, d'aller chercher Sénéchal. Quoique, il perd quand même beaucoup de temps là. Il perd du énormément de temps en très peu de kilomètres. Oh, on va peut-être le reprendre. C'est pas dit, ça stagne. La surprise sera à son comble sur cette étape, mais à mon avis, on le reprendra pas. Je pense pas. 3 km 500, 35 secondes d'avance. Ça m'a l'air d'être bon pour Florian. Florian ou Florent Sénéchal qui va aller s'imposer normalement à Bastia sur cette première étape du Critérium International. Il reste 2 km pour le peloton pour espérer reprendre le coureur qui passe d'ici quelques temps sous la flamme rouge. C'est fait. Il est passé sous la flamme rouge, Sénéchal. Et le sprint est lancé. Non, bah, il va s'en reprendre, Sénéchal. Il est repris, Sénéchal. Il est complètement. Je teste de prendre le gel. On va gagner l'étape. Yes, on gagne l'étape. Et les amis, ça c'est fait. L'étape est remportée. C'est une bonne chose, hein, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'était un peu ce qu'on cherchait sur cette étape-là, d'aller essayer de la remporter. Et on a remporté une étape, ça faisait quand même. Alors, je sais pas si on a remporté un sprint depuis qu'on a commencé votre pro team avec cette équipe-là. Je ne crois pas, enfin. Depuis la saison 2, voilà. Je ne crois pas. Puisque, bien sûr, cette équipe-là, c'est la première fois qu'on la prend. Et on gagne déjà la première course. Ce qui est plutôt encourageant. N'est-il pas? Voilà. C'est bien. On est satisfait de l'équipe. Avec ce magnifique maillot Natura Gaz. On turbine au gaz, autant se le dire. On ne pas se le cacher. On est une grosse équipe. Ça pète, hein. Ça pète dur, ça gaz, hein, dis donc. Un peu pourri comme blague, dis donc. Oh là là, on bide. Oh là là, quel bide. Malaise TV, j'ai envie de dire. On va sauvegarder. Ok. Et puis on va continuer tranquillement. Eh bien écoutez, cette saison, hein, tout d'abord, qui je l'espère va bien se passer. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au Tour de France avec cette équipe, avec Conrad, etc. Et après qu'on puisse eh bien acheter d'autres bons coureurs. Allez, le petit prologue de 5 km, petit contre-la-montre. De 5 km, ça va faire plaisir à tout le monde. J'espère que Kung est chaud patate, puisque c'est lui qu'on va prendre aujourd'hui pour aller jouer la victoire. Après, il y a quand même du bon. Hein. Luis Leon Sanchez, Van Poppel, Mathias Brandl, il y a du bon. Il y a du très bon. Après le Suisse, Kung, normalement, est censé quand même... faire un bon chrono, parce que voilà, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une bête de course. Hein. On rappelle qu'il a quand même battu Tony Martin sur un contre-la-montre. Hein. Faut le faire, quand même. Pas tout le monde peut se targuer de dire j'ai battu Tony Martin. Voilà. Parce que Kung, il l'a fait. Allez, c'est parti. Avec le Suisse, on va essayer de pas trop non plus renvoyer. Hein. On va essayer de le conserver un petit peu. C'est un chrono très court, hein, mine de rien, très court. On va essayer de pas trop se prendre les barricades. On a un petit peu ralenti, un petit peu faibli sur le vélo, c'est pas très grave. Allez, on y va. On va essayer de prendre les bonnes trajectoires, je sais que c'est pas facile, tous les jours. On relance légèrement. Et c'est parti. On a pour l'instant le premier temps, juste devant Alex Drosset. Et Luis Leon Sanchez et Johan Lebon. Brandl ferme la marche en 5e position actuellement. Va-t-on avoir assez d'énergie pour continuer ce chrono? On a 3 secondes d'avance sur notre objectif. Voilà, ça c'est déjà pas mal. 3 secondes, même si 3 secondes ça passe extrêmement vite dans ce jeu. Regardez-moi les secondes comme elles défilent.
C'est pas des secondes de la réalité, nous sommes d'accord. J'ai gratté un petit peu le côté, j'ai dû perdre quelques centièmes. C'est pas très grave, on va essayer de... On va essayer d'aller atteindre l'arrivée le mieux possible. Allez, ça va être tendu. Ouh, ça va être tendu. Je sais pas si on a le meilleur temps. Je pense qu'on s'est fait battre d'une seconde ou deux. Je crois pas qu'on ait gagné le chrono. On va regarder ça en tout cas. Mais il me semble pas. Je crois que c'est mort. Ah, c'est mort. On a maillot vert d'abord, c'est cool. On s'est fait avoir de quelques secondes, je pense. Hein. Très très peu. 4 secondes. 4 secondes, on se fait battre de 4 secondes par Dosset. On va se regarder. Ok. Ok, donc Porto Viejo, c'est un petit peu la loose pour nous. On est d'accord. Conrad à 32 secondes. Ouais, il est loin quand même. Il est loin pour aller chercher la gagne. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ça soit un peu juste quand même. C'est pas très grave. On va y aller. On va y aller. C'est Col de los Pedales, les amis. Étape de montagne. L'ultime étape de montagne. La seule étape de montagne de ce critérium international, les amis. Il va falloir assurer. Il va falloir être bon. Parce que si on n'est pas bon, ben, ça sera un zéro pointé. Bon, non, pas vraiment, parce qu'on a quand même une victoire d'étape, déjà, sur ce critérium international. Et donc, on rappelle également l'objectif numéro 1 est de remporter, enfin, faire un top 15 sur le Dauphiné libéré. L'hospital n'est pas le havre de paix pour nous. Voilà, on va pas se le cacher, si on fait pas bien sur cette étape-là, on va pas s'en rendre malade. L'objectif est Dauphiné libéré. Voilà. Conrad, on va le prendre. Il est en forme. Il est très en forme, même, j'ai envie de dire. Donc, on va prendre ce jeune coureur. C'est parti. Grosse partie de simulation tout d'abord. Puisque vous le savez. On s'en fout un petit peu du classement de grimpeur. Même si c'est vrai que l'équipe le vise, me semble-t-il. Mais non, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Moi, je m'occupe pas du sponsor. Je veux juste changer de maillot de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Plus, l'équipe est en forme, mine de rien. Regardez-moi ça. L'équipe est très en forme. On a Conrad, Offland, Sepulveda, Bushman, Stephen Kung, l'Érythréen, voilà, et Pelo qui sont en bonne forme, et les deux autres, Vauclair et Xu, sont en forme normale. Ce qui est assez rare à signaler, mine de rien. Je pense qu'on peut tous le dire, c'est très rare d'avoir des formes positives comme celle-ci. Bon, c'est pas des grosses formes positives à fond, avec la barre qui tire vers le haut. Là, c'est des formes normales, on va dire, enfin normales, bonnes. Donc ça fait quand même plutôt plaisir, surtout qu'on va avoir besoin de l'équipe aujourd'hui, ça va faire quelque chose de bien. Alors on approche eh bien, du pied du col, j'allais dire du sommet, bien sûr que non, ça serait un petit peu abusé. On approche donc du pied du sommet, ça fait plutôt plaisir, une bonne forme avec Conrad. Par contre, je sais pas trop comment entamer ce pied de col. On va peut-être demander à nos coéquipiers d'imprimer un tempo je pense que ça serait le mieux. Donc on va leur demander peut-être de rouler à 70 au pied du col déjà, histoire de, et donner peut-être le petit gel déjà aux copains qui en ont besoin. Voilà, comme lui par exemple en a besoin. Stephen Kung lui, on n'a pas besoin, il va pas rester très longtemps de toute façon Stephen Kung ici. On va demander une petite protection par contre, hop, de Thomas Vauclair. Ça peut faire plaisir une protection de Thomas Vauclair hein, qui est un très bon coureur, on le sait. Thomas Vauclair d'ailleurs c'est sa dernière saison en 2017. Hein. Très... Terminé, Thomas Vauclair, il prendra sa retraite. Une très belle carrière en tout cas, Thomas Vauclair. Hein. Peut-être qu'on en reviendra un peu plus en détail sur le Tour de France 2017 de Thomas. J'espère en tout cas. Donc voilà, Thomas Vauclair, bien sûr, illustre talent, magnifique talent de français. Voilà, de Direct Energy, voilà, c'est sûr. Europe Car avant, bien sûr. Boulangère, Brioche la Boulangère, voilà. Très très bon coureur, rien à dire, excellent coureur, excellentissime coureur. On va essayer peut-être de faire suivre les attaques par Sepulveda et peut-être plus me protéger par Bushman peut-être. Thomas Vauclair, il va partir. Non. Okay. Non, on va le garder, Thomas. On va le garder en tant que qu'amorce. Amorce, on va être l'amorce de Thomas Vauclair, je pense, de cette équipe. La course entame grande la chance. Du col de Mislan Sanchez qui est là également. On va essayer de les attaquer, ces Astana. On va essayer de dévoiler un petit peu leur coureur. C'est pour ça que je vais garder un petit peu Conrad de côté pour le moment.
L'écart entre le groupe des favoris et que ça se calme un petit peu. Dès que ça se calme, boum. Ce qui roule pour l'instant, là. L'Astana, ils font pas semblant. Allez, Conrad, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, il est plutôt bien, vraiment très bien. On rattrape Kenny Lissonde, qui a signé a priori à la Sky, d'après ce que j'ai entendu. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, on va envoyer Vauclair déjà en première offensive. Voilà, en première offensive, Thomas. Pour essayer de raviver un petit peu la flamme de l'Astana, voir s'ils sont bien au taquet et tout, Si ça va ou pas pour l'Astana. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ouais, c'est parti, Thomas, il va. Première lancée. Reichenbach également essaie d'y aller, non? Regarde, Spevuda. Forcément, ça se regarde un petit peu tout. Mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. J'ai pas l'impression que ça suit d'ailleurs avec, avec l'Astana. L'Astana qui laisse partir pour l'instant. Donc devant, on a qui? Offland, c'est fini. Hein. Bushman, le petit gel. Ah, il a plus de gel. Bushman, merde. Sepulveda, petit gel bleu. Thomas Vauclair, petit gel bleu également. Ça veut pas y aller ou quoi là? Si on revient, on va essayer de revenir sur eux, puis on verra. On va... un peu chelou pour l'instant. Franchement, je suis pas encore trop... Je sais pas pourquoi, ça. Elle est très décousue pour l'instant, cette course. La Sterna n'a pas réagi. Bon, après, il doit dire que c'est pas très, très dangereux à l'avant. C'est pas des purs grimpeurs, mis à part... Ah si, c'est Poveda quand même. On va essayer de les fatiguer, la Sterna. On va peut-être pas tenir, la Sterna. Sanchez ne doit pas tenir, je pense pas. Et j'y vais. Hop. Je vais essayer d'y aller. J'ai pas mal de secondes de retard sur en plus les meilleurs. Cherel qui part à l'avant. Cherel est loin en général, on peut le laisser partir, c'est pas un danger. À la limite, le danger c'est Reichenbach ici. Donc si on reste avec lui, on est sûr de gagner. Ah, Rosa. Tiens donc. L'Astana qui bouge un petit peu ses fesses enfin. Un petit peu de gel. Alors, comment ça se passe ici, les gars? Ça va? Tranquille? Tranquille. Et Parcil, la fosse tranquille. En mettant suivi des attaques, lui. Et lui, au pire des cas, s'il est chaud, on verra. En tout cas, c'est Rosa qui fait le tempo pour l'instant. Pas que ça me déplaise. Faut peut-être pas non plus qu'ils mettent un faux rythme pour que derrière ça revienne. J'ai l'impression qu'il fait un peu ça. C'est un jeune grimpeur. Ah, c'est qui va là devant. Kildorman qui va forcément. Et toi Vauclair également qui a sauté dans la roue. Ça va être compliqué, Conrad, sur le Tour de France. Il est bon, mais il perd vite de l'énergie également. Après vous me direz, il y a quand même des bons là, il y a quand même du Kelderman, il y a quand même du Rosa. Kelderman y va. Pas sûr qu'on puisse l'arrêter. Il n'y a plus que 5, Sanchez est à la rue déjà. On n'en parle plus de Sanchez pour l'instant. Tant mieux, vous me direz. C'est Mathias Franck qui va maintenant. Avec Kelderman. Ça va être très très dur cette course, je le sens. Parce que ça attaque de partout. Hein. Ça attaque de partout. Et c'est Kelderman le mieux placé pour l'instant. C'est lui qui est en train de faire le bon truc. Hein. Kelderman. On va voir si on peut peut-être lâcher ici. Ce qui m'étonnerait. Du col. C'est le moment de faire la différence car le dernier kilomètre est quand même moins difficile. Ça va être très compliqué de lâcher Mathias Franck et Kelderman ici. Les purs grimpeurs sur ce genre de côte, ils vont plutôt être bons. Ah non, ça va pas le faire. On va pas les lâcher ici. C'est net et précis. J'ai essayé un petit peu voilà de forcer un petit peu voir si ça allait les calmer mais non. Quitte à me mettre en rouge, je voulais voir s'ils pouvaient également les mettre en rouge. Non, pas du tout. Hein. Ah, j'ai cru.
Non, non, j'avais cru, c'est Kizarlowski, j'ai vu en rouge. Enfin, en train de perdre du temps. C'est pas celui que j'aurais aimé, aimé voir perdre du temps pour l'instant. Bon, je pense qu'on va devoir se satisfaire d'une troisième place, semblerait-il, pour l'instant. C'est en tout cas tout ce qui présage. Même si derrière, ça revient avec Rosa, Inchosti. Oh, c'est peut-être même... C'est pas le podium, en tout cas, qui nous attend, je pense pas. Parce que derrière, ça revient vite. Diego Rosa, etc., ça revient. Kelderman, il va en mettre une, de toute façon, je pense. Il a encore la ressource, ce type. C'est fort. C'est Rosa qui fait le forcing derrière pour revenir. On arrive au bout de cette étape. Au bout du bout. Ça va pas être... Ouais, Kelderman, je savais. Je savais de toute façon qu'il avait encore beaucoup d'énergie. C'était sûr. Stratégiquement, c'était le meilleur déjà. C'est Poulveda, il est avec moi également. Bon, on n'a pas vraiment à rougir finalement. On a fini avec les meilleurs. Kelderman est au-dessus, certes. C'est vrai. On finit dans le rouge. Hein. Il est vraiment dans le rouge. Et Sepulveda nous passe même devant, on est 6ème. On a fait 5 et 6. Bon, bah c'est difficile à admettre, mais ça va être difficile. Ça va être chaud. On peut faire un top 15, je pense. Il y a moyen. Peut-être la place. Sur le Dauphiné libéré, il y a de la place, je pense, de faire un top 15 après avoir. Vraiment avoir, je pense. Ça va être très, 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 très difficile, je pense. Bon, et eh bien, voilà que se termine ce critérium. Ok. Ok, on est en champion. On n'oublie pas, bien sûr. C'est pour ça que c'est dur, quand même. Alors, ça donne une 5ème place avec Sepulveda, que j'ai même pas joué. Et Conrad, 7ème. Donc, limite, Sepulveda sera meilleur. Hein, limite, hein, je pense, on verra. Sur 3 semaines, on verra ce que ça donnera. Enfin, sur une semaine, pardon. On verra ce que ça donnera. 5ème place avec Sepulveda. 7ème avec Conrad. 21ème avec Vaucler. Bon, bah pourquoi pas. C'est à voir, les amis. On se donne rendez-vous, eh bien, pour la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà le programme pour la prochaine vidéo. Il y a pas mal de bonnes d'étapes. Mais par contre, c'est Alpe d'Huez x2 qui me fait extrêmement peur. Encore une fois, ça va être dur avec les coureurs que l'on a. Gros bisous à tous, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde, bye bye.